Et les fabriques par ici? Bon. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Routon. Et à la verrerie Garbois, la grève menace. Ils parlent de réduire les salaires. Je sais, j'en viens. Chez nous, ça va, ça va. Ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. Vous êtes peut-être de la Belgique, non? Non, je suis du Midi. Ah, moi, je suis Monceau. On m'appelle Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. C'est un surnom? Ah oui. Ils m'ont retiré de là-dedans trois fois en morceaux. Une fois avec tout le poil roussi, une autre fois avec de la terre jusque dans le gésier, puis la troisième avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, comme ils ont vu que je voulais pas mourir, ils m'ont appelé Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Je suis descendu, j'avais pas 8 ans. Puis tenez, j'en ai 58 maintenant. Calculez. C'est pas du sang? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait 5 ans que je suis pas descendu. J'avais tout ça en magasin sans le savoir. Ça conserve. Oh. Allons-y, ma poule. Si monsieur Hennebeau nous voit en train de feignasser. C'est à monsieur Hennebeau, la mine? Non, c'est le directeur. Il touche sa paye comme nous. Alors à qui est-ce donc tout ça? Tout ça? On sait pas. À des gens. Oh!